Hello, it's me. Non. Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo avec Nandel, qui est tout le temps là. Voilà. Et en fait, c'est pour faire le tag à Middle. Voilà. Inventé par Jadina et j'ai oublié son nom. Donc on le marquera là. Bitch. Désolé. On voulait le faire ensemble. Parce voilà. Que, voilà. On s'entend très bien. Mais... Et donc, c'est pour ça que je suis tout le temps chez elle. Ouais, elle s'incruste chez moi. Non, mais elle se croit tout permis. Tu vois, vous voyez. Je les ai tutoyés normal, tu vois. Bon, bref, attendez, je suis pas bien comme ça. Faut que je me mette à genoux. Donc, on a ici même les questions. Ah, ouais, c'est tombé sur le premier. Donc, hop, les questions. Qu'on ne voit strictement rien. Mais en même temps, voilà. C'est un peu long. Moi, j'ai Chanel et elle m'a pris. J'ai pris long parce que j'ai pas pris de métal. Donc, voilà, tu comprends. On va commencer. Julia Première. Alors, comment vous êtes-vous connue et rencontrée? Comment? Enfin. Principalement par le collège, en fait. Mais en fait, on se connaissait déjà d'avant, mais on n'était pas vraiment amis. On était petites, en fait, donc voilà. Mais sinon, principalement, c'est par le collège. Ensuite, à toi de dire la deuxième. Alors, depuis quand vous connaissez-vous? Alors, principalement, si on compte par rapport au collège, comme on a dit, je pense que ça fait bientôt 3 ans. C'est 3 ans, là. Ouais, ça va faire 3 ans. Voilà. En septembre. En fait, je sais même plus. Mais ça va faire 2 ans en septembre. Non, parce qu'on a fait toute l'année 6e, toute l'année 5e, donc l'année 4e. Ah oui, ça fait 2 ans. Ouais. Je suis bête, ne vous inquiétez pas. Donc, ça va faire principalement 2 ans. C'est vrai que si on compte depuis toute petite, voilà, avec plus. Mais principalement, c'est le collège, donc bon, voilà. Alors, question numéro 3. Dans quel contexte ton ami a eu sa première dalle? Alors, pour Sekai, sa première dalle, en gros... En fait, elle m'en a parlé, au début, j'apprenais pas. J'en ai parlé, elle accrochait pas trop, et après, au final, elle a commandé Angel sur Amazon. Voilà. Qui est une pub Vanessa. Que j'ai eu le 24 février 2015, oui, exact. Constantin. 2015. Et pour Nanou, c'était quoi la question? J'ai déjà vu. Dans quel contexte j'ai eu ma première date? Alors, en fait, elle la connaissait avant moi. Enfin, on va dire ça comme ça, parce qu'en fait, j'avais déjà une personne qui m'en avait déjà parlé. La chipatata. Mais bon, elle les connaissait, puis en fait, elle a de suite accroché, en fait. Et du coup, elle a eu à peu près, on l'a commandé à peu près en même temps. Et moi, je l'ai eu. Et elle a eu le 20 février 2015. Et voilà, c'est une pulipe Tokidoki Violetta. Je vais lâcher les cigarettes, après je fais le reste. Intelligent. Hein? On est limite en train de faire une vidéo, mais c'est pas grave! Parce que j'en sais, moi. C'est marqué où? Bon. Au revoir. Sadness. Maman! On lit tout de travers. Je m'en fous. C'était l'interruption de la maman dans ses cailles. De toute façon, je couperai ou je mettrai un extra extra accéléré. Bref! Donc, c'est une pub Tokidoki Violetta. Custo. Voilà. Custo. Moi aussi. À toi de lire la question 4. Quels sont les prénoms et les modèles des dolls de ton ami? Alors, avant de commencer, faut préciser que j'ai pas mes dolls avec moi. Ouais. Et on mettra des petites photos. Des petites photos par-ci par-là. Voilà. Ou on mettra en fait des photos qu'on a trouvées sur internet, stock, des pulipes stock. C'est pas grave, c'est ça. Non. Ok. Bon, alors elle a une pulipe Tokidoki Violetta qui s'appelle Keiko. Ensuite, elle a eu Edwin, sa pulipe. Dynasty Queen, voilà. Je cherchais une. T'as du mal. Voilà. Ensuite, elle a eu son Izum. Donc, Neko Neko Mao. Voilà, qui s'appelle Surachi. Non, mais je cherche. Je me remets tout dans la tête. Donc, ensuite, elle a eu sa pulipe. Elle a eu. Tu l'as eu où déjà? Tapis Rico, donc comment ça Céleste. Céleste, ouais. Vous avez eu avant sur la chaîne, bref. C'est pas grave.
Voilà, Céleste. Donc ça, Philippe, je m'en sors plus aujourd'hui. Prédico. Voilà, merci. Ça a pu être Prédico. Et puis ensuite, elle a eu son Taeyang. Et c'est un Taeyang... Kouaishi. Bref. Et Hiro. Et... attends. Et oui. Mais... Ami. Oui, Ami. Ami qu'elle a eu il y a pas longtemps. Ouais. Et voilà. Et pour Fekai, je montre les dolls ou pas? Non, ça pas. Donc, sa première Philippe, c'est Angel, Philippe, Vanessa. Oui. Ensuite, elle a Yumiko à Japan Expo. Oui, je sais. Voilà. Donc, c'est une Philippe Chelsea. Ensuite, elle a eu, que je ne me trompe pas, t'as eu Kimiko, t'as eu Tifona. Oui. Je n'en veux plus son nom. C'est Kimiko. Le feu, là, non. Kimiko. Le feu. Non, mais ça, c'est Ishiro, c'est mon Izumi. Voilà. Là, c'est elle, c'est Kimiko. Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, t'as parlé de Kimiko en premier. Mais tu m'as dit, je me rappelle plus de son nom. Mais oui, c'était Kimiko. Ouais, bon, bref, ensuite, donc, ensuite, elle a eu son Izul. Ishiro. Ishiro, ça veut dire homme, ça veut dire homme-feu. Le modèle, c'est Jimix. Voilà, Jimix. Ensuite, elle a, t'as eu. Je sais plus l'ordre par contre. Oh, bon, ensuite, on va... Ah, tu as eu les deux en même temps. Donc, voilà. T'as eu un Taeyang Reiki. Par mon père. Alexandre. Alexander, je sais pas. Alexandre. Et elle a eu Lou. Là, Philippe Kirakichou 2014. Et elle a, ici même, voilà, qui est de dos, Chanel, sa Philippe. C'est une Philippe Yona. En fait, que j'achète sur mon coin et elle a des acryliques, donc elle n'a pas le mécanisme, elle ne peut pas fermer les copiages. Je pense qu'ils sont pas cool, voilà. Non, mais s'ils ouais, arrivent sur la chaîne, ils savent pas forcément. Donc voilà. Bref, avec une méga stage, j'ai pas dit. Voilà, voilà. Après, question suivante. Mon téléphone qui s'éteint, c'est la joie, quoi. C'était totalement normal. Alors, d'où vient la wig de sa deuxième doll et quel âge a-t-elle? Alors, je commence par répondre. Oui, vas-y. Donc, Yumiko. Oui. Alors, elle a 16 ans. Et sa wig, bah, actuellement, elle n'en a pas réellement. Bah en fait, je suis en train, en fait, parce que alors, cette wig, actuellement, je vais pas soumettre parce que quand j'ai acheté Chanel, donc en dernière, bref, elle a eu une wig, et patati, oui, franchement, je ferais un point custo, là, parce que parce qu'en fait, je voudrais lui donner un style particulier, bref. Bref, voilà. Ah non. La question. Ah oui, non, à toi. Donc ta deuxième doll, bah, c'est Edwin. Elle a 17 ans. Et sa wig, elle est en train d'être arrivée, en fait. Elle vient d'IB. Elle vient d'IB. Voilà. Alors, c'est le numéro 6. Ouais. As-tu des fioles chez ses dolls? Alors, moi, elle a toutes mes dolls filles, en fait. En fait, toutes mes dolls, c'est les fioles. Ouais, voilà. En fait, toutes mes fioles, c'est ses fioles. Et toutes mes Taeyang et dolls... Voilà, Taeyang et Izul, c'est ses neveux. Bref, tout ça, voilà. Ouais, et inversement, quoi. Inversement, voilà. Voilà, nous, on n'a pas... Ça, on va pas aller plus compliqué, hein. On va pas plus se compliquer la vie. Alors, quelles sont vos activités de ligne principale? Alors, bah... Prendre des photos. Ça, c'est ce qu'on fait le plus longtemps. Et les vidéos sur... Bah, c'est par rapport à la chaîne, mais voilà. Et aussi... Surtout des gros débats de folle et de la création. De la création manuelle, en fait. Habits, on pourrait créer d'un coup ça pourrait prendre cette petite jupette, voilà, qui avait été faite au début au tout début que tout j'avais eu Angel. Ça peut nous arriver de faire des eye-sheeps. Ouais, on a fabriqué des eye-sheeps. Après, ça peut nous arriver de faire des habits, ça peut nous arriver d'essayer de prendre des jeux de main, d'essayer de faire quelque chose. Après, ça peut nous arriver de faire plusieurs trucs, même de faire des mèches dans les wigs de nos dolls. Bref, même de fabriquer des wigs. Ouais, enfin, voilà. On fait tout, en fait, pour les dolls. Voilà, on a tout fait. Ouais. Et exemple, pour vous dire qu'on est manuel, on a fait ce truc Splatoon. Oui, parce qu'elle a réussi à me faire acheter Splatoon. J'ai gagné, finalement. Hein. Donc, si Nina... Oh, je t'ai mis avant. Nina, si elle voit cette vidéo, et ben, voilà. Hein. Finalement, j'ai quelqu'un avec moi pour jouer à Splatoon. Alors. Non, mais elle a réussi. En plus, les deux animaux là, la rose, je touche la tête de Nanou. Donc, elle, je sais pas si vous la voyez. Et l'autre là-bas, la croix de Lala. Lala. On se reparle pas parce qu'on regarde ça. Et puis en fait, oui, on se mélange parce qu'on regarde l'écran. Et ici, c'est le sien.
Bah, elle en a d'autres, mais ils sont chez elle. Bref, on c'est pas ça la discussion. Ouh, ça... ça a coupé. En fait, j'ai... 7. Ah, non, c'est à toi. Mais je sais plus. En fait, c'est pas grave. Si, moi, j'ai les fioles. Les fioles. Bah, j'ai la 7, donc tu lis la 8. Ah, t'as lu la... Et donc oui. Alors, quel est votre plus gros délire de lien? Alors, attention. En fait, on avait eu des Corsac. Et les Corsac avaient l'habitude, très très bien d'ailleurs, de se déboîter tout le temps. Donc, on a plus de facilité à faire avec ça. Et ça faisait ça. Et en fait, les gens, elles partaient en avant. Mais et ça fait genre des autruches, genre c'est bizarre. Et en fait, nous, on a d'un coup... Nano a sorti autruche. Et après, on a fait autruche. Et voilà, et c'est Et en fait, c'est parti. Un gros délire. Sinon, pas d'olien, on a d'autres délires, mais je pense que ça vous intéresse pas. Voilà. En fait, vu qu'on est deux TMG, c'est un petit peu difficile d'en avoir des délires. Oui. Donc, alors, voilà. Quel est son/slash. Photos les plus drôles que vous avez faites ensemble. De quoi? Les photos qu'on a les plus drôles. Alors là, on en mettra juste une là. Bah, en fait, c'est pas vraiment drôle, mais vous pouvez pas comprendre notre délire, quoi. Attends, bref. Oh, regarde comme elle est posée, genre. Je suis... Faut pas jamais poser sur lui. Ouais, je sais. Ouais. Bref, on mettra la photo, on peut pas comprendre. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on a trop de délire bizarre. Et, dernière question. Attends, fais mon code. Ah oui. Chut, faut pas qu'ils connaissent mon code. Même si... Moi, je le connais, donc... Et donc, la dixième... La dernière. C'est l'ultimité. Quels sont ces projets futurs d'Olien ou pas avec ou sans elle? Ou moi. Voilà. Inversement. Voilà, bref. Ton téléphone va partir en l'air. En fait, on a plusieurs projets. Enfin, on en a un surtout, précisément. On en a un qu'on va pas dire. On a peut-être décidé de séguer. Vous êtes choqués, là. Voilà. On a des séries. Et puis, si elle fait une série, même si moi je compte pas, en faire. Peut-être non. Non, je compte pas en faire. Enfin. Jean-Jacques Bertrand, oui, c'est moi. Voilà. Donc, Nanou est vraiment dégoûtée. Parce que voilà, ça ne signe pas. Bref. Peut-être que je vais avoir au montage, je vais péter des rires pour changer. Pour changer, ouais. Et donc. Et moi, j'aiderai dans sa série. Si et après, bah, le projet qu'on a ensemble, c'est des photographies. J'ai envie de me montrer mon chihuahua. En fait, on n'a pas vraiment de projet ensemble. Mais... En fait, si, on a tout. On fait tout ensemble. On fait tout ensemble, en fait. Mais en fait, c'est sur l'improviste, si vous préférez. Voilà, en fait, on ne choisit pas. Voilà. C'est complètement notre inconscient débilicien. Dire. Oui, voilà. Notre envie de Nutella qui nous pousse à faire des choses complètement incompréhensibles. Trop. Je vais chercher.